Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Grosse bouletos patatas patatos de ma part. J'ai commencé la partie suivante et en fait je me suis rendu compte que il n'y avait pas de son. Et donc en fait j'ai fait 20 minutes de jeu sans son. Et en fait le jeu a sauvegardé. Donc en fait je vais vous montrer la suite de ce qui s'est passé, en fait de ce que j'ai fait. Je vais refaire les choses que j'ai faites. En fait, à cet endroit, c'est là où il y avait les trois statues, où il y avait ça derrière, et la cloche derrière. Ce que ça a fait, c'est que ça a fait écrouler bah, la partie où je me tenais, là. Voilà. Et donc, on peut aller en bas. Voilà. Et en bas, en fait, on tombe ici. Voilà. On tombe dans une nouvelle zone. Se lever, oui. Nouvelle zone. Donc, il y a lui qui nous dit quoi? C'est bien le gémissement, il émane des profondeurs les plus enfouies de ce lieu, rampe en spirale, croit en son propre écho et se défonce dans les reliefs de bronze, le cri de trois gorges jointes, né d'une même pénitence, d'un même deuil, la lumière y parvient rarement, rien que le vrai gémissement. Voilà, il y avait ça. Hop. Petit... Ouh! Ah oui, je l'ai one shot! Parce que dans la partie... que j'ai complètement foiré, ben, j'ai amélioré mon arme aussi. Vous allez voir ça. Donc voilà, donc là, j'étais descendu. Hop. Voilà, j'étais descendu. Et là, j'avais pas été à droite. Là, j'avais été à gauche. Et j'avais décidé de continuer le chemin ici. Parce qu'en fait, on s'était arrêté ici. On s'était arrêté ici. Là, il n'y avait rien. Tout ça, là, c'est de la découverte. Donc, je m'étais TP à Albero. Donc, on va retourner à Albero. J'ai récupéré des objets, donc je vais en profiter pour aller à Albero et voir si je peux. Oui, je crois que j'ai récupéré un objet dans la partie foirée que je vais pouvoir donner à lui. Voilà, clou de girofle séché. C'est un objet qu'on a récupéré dans la partie que je vais vous montrer. Merciful be, penitent one. With your contribution, the work of this brotherhood carries on. D'accord, 2000 larmes. Il m'a donné 2000 larmes. Très bien. The miracle is taken. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai des trucs là, j'ai une fiole de bile. Faut que je la remplisse. Ok. Très bien. Donc, je vais vous montrer la zone que j'ai découverte. On va stepper directement. La zone que j'ai découverte, hop, c'est le chagrin, confrérie du chagrin, pas le temps de lire. Et en fait, c'est toute cette zone-là. Je vais recommencer par le début pour vous montrer un petit peu, hein, parce que bon, voilà quoi. Je vous respecte quand même un petit peu, quand même, mesdames et messieurs. Et voilà, en fait, c'était juste la continuité. Voilà, je me suis fait exploser la gueule comme une grosse merde. Aïe. Allez hop. Ah, j'ai récupéré du truc, non? Je sais pas. Voilà, donc en fait c'était là, voilà, tout simplement. En fait, c'était, je sais pas si vous vous rappelez, hein, on s'était arrêté là. On était monté, on avait vu cette zone et on a fait demi-tour. Donc, voilà. C'est juste pour vous montrer. Et en bas, il y avait quoi en bas? Il y avait un objet. Je sais plus ce que c'était. Ah bah si, c'était l'encens là, l'espèce de baume cicatrisante. Et à gauche, là, il y avait tout simplement, eh ben, cet hôtel qui nous a permis d'améliorer mea culpa niveau 3. Et on a pris 7
compétence qui est que quand on fait bas carré, bah, en plus de faire une attaque, ça fait une onde de choc. Voilà. Donc c'est assez cool. Et on fait plus mal. Donc très bien. Voilà, à gauche, il y avait quoi déjà ici? Alors là, voilà, c'est la zone de TP. Là, il n'y a rien. Y a rien ici. Bon, je regarde chaque. Et où? Pardon? Ah, mais d'accord. Et là, il y a tout simplement un PNJ. Qui, justement, on se posait la question. Voilà. On se posait la question, je sais pas si vous vous rappelez, on avait des nœuds dans notre inventaire. Des nœuds qui nous permettaient d'améliorer notre rosaire, notre chapelet. Et en fait, c'est elle qui nous fait utiliser nos nœuds, quoi. Et donc voilà, maintenant j'ai deux emplacements de plus dans mon chapelet. Et voilà, donc j'ai mis que je récupère de la santé, esquive plus rapide, j'ai mis que je récupère des larmes en détruisant des objets et de la défense. Je pense que c'est le meilleur compromis, on va dire. À gauche, rien. Et là, en haut, j'ai fait un truc très bizarre. À gauche, ici, il y avait une. Vous voyez là, ces pièces, c'est les pièces où il y a une personne qui prie. Et en fait, on peut se faire expier de nos péchés hein, si on a de la culpabilité. Il y en a un peu partout dans la map. Et en fait, je lui ai tapé dessus plusieurs fois. Et elle s'est écroulée. Genre, je l'ai détruit. J'ai détruit la statue. Et ça a laissé cette aura un petit peu rougeâtre. Et quand j'essaye d'appuyer sur triangle, il se passe rien. Donc. Je sais pas si j'ai bien fait d'exploser. Ah mais ça me donne que deux de trucs d'expiation, c'est vraiment de la merdasse. Voilà, et là on est bloqué. Et il y a ce PNJ qui nous dit ça. Voilà. En gros, voilà, le chemin est bloqué. Et en fait, on est juste en dessous bah, du début. Le début, c'est là. Voilà. Et là, il y a cette zone que j'ai pas encore découverte, qu'on va découvrir ensemble. Et voilà. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que il y avait pas de son dans ma vidéo et que il y avait juste ma voix, mais il y avait pas le son du jeu. Donc, j'avais un peu les boules là. Voilà. Donc la carte pas disponible ici. On voit qu'il y a un objet à droite. Il y a des petits pics. En haut, il faudra faire attention. Ok, je vais pas descendre parce que je pense pas que je puisse remonter. Bah, de toute façon, je suis obligé. Hein. Hop. D'accord. Vous voyez. D'accord. À mon avis, c'est juste une zone bonus. On peut aller là-bas ou pas? Je pense pas. Une zone bonus pour récupérer l'objet qu'on a vu à droite. Parfait. Oh! Je sais pas si ça nous tue ça. C'est une one shot. Hop, beaucoup d'adresses pour cette zone. Qu'est-ce que je fais? J'ai trop l'habitude de. Ouh là là, ça va être chaud, ça va être chaud, patate. Oh. C'est chaud, c'est chaud. Hop, pas bien. On y est bientôt là, non? Ah ben on y est. Parfait. Alors qu'est-ce que c'est? Métatarse de
Rikusio, le voyageur. On ignore presque tout de son passé, mais ceux qui le croisèrent affirmèrent ensuite que Rikusio transportait une étrange petite assiette lumineuse d'où émanait une voix distante. Alors, à mon avis, il doit y avoir un lore bien expliqué autour de tout ça. Hein. À mon avis, il doit y avoir un background du jeu avec tout ce qui s'est, enfin, toute l'histoire du jeu, quoi. Mais bon, on a juste des petits fragments du background, comme ça, un petit peu comme dans Dark Souls. De toute façon, c'est Dark Souls 2D, donc forcément. Ah, mais on revient pas au même endroit! Ah mais d'accord. Ah mais voilà. I'm not worthy of thine infinite compassion. Blessed are those of us who find it. I will pray for thee and thank the master for his holy encounter. Now my feet are marching towards holy prohibitions. How can a simple pilgrim advance through such fortification? O fraternal father, O master of pilgrims, how arduous are your upcoming trials? D'accord. Ok, donc lui, il va avancer petit à petit dans le jeu, à mon avis, avec nous. C'est quoi ça? Hein? Perle moyenne de cire bleue. On avait eu la rouge. L'affaire s'en trouve légèrement renforcée. Ouais. De toute façon, la ferveur, on s'en sert tellement peu que bon. Je sais pas si c'est vraiment intéressant de. Et là, on revient au début. Et pourquoi ça m'a pas donné de l'arme là, alors que je viens de péter une. Un truc. Ok. D'accord, donc en fait, ouais, c'est pas une zone supplémentaire, hein, c'est juste un raccourci. Attends, mais l'autre, le vieux, là, il s'est barré, là, non? Mais il s'est barré. Peut-être qu'on va le retrouver à Albero. Je pense qu'on va le retrouver à... Attends, je peux pas... Non, il y a rien à droite. On va peut-être le retrouver à Albero. Non? Ou peut-être par là, là. Il y avait quoi ici déjà? ...7, 8, 9, 10. On est à 10. 11, 12. Oui. Pas terrible, hein. C'est normal ça? Ouais, je crois que c'est normal. Ok. Pourquoi j'avais mis ça là? Ah mais c'était peut-être l'objet. Mais je l'ai pas enlevé en fait. Mais je l'ai pas enlevé. Je vais l'enlever. Je suis bête. Aller voir si on n'a pas un objet qu'on a récupéré un petit peu au pif qui pourrait nous bénir ou j'en sais rien. Alors à gauche il y a toujours rien. Hein. Ouais. Bring me anything that can be blessed. D'accord, non. Toujours rien.
Très bien. The medical is taking us away. Ouais, non. Ok. Bon, on va se TP et on va aller dans la zone bah, du bas, là. On va continuer le jeu, hein. On va continuer le jeu. Il n'y a pas une zone où on peut se TP près de... d'une zone... qui nous remplit notre fiole rouge. Là, mais il va falloir faire... non. Peut-être là, mais... alors monter. Ouais non là en vrai ça va être rapide en fait. On va faire ça. On va remplir notre nouvelle fiole là. Merde. Faut que j'aille où? C'est là? Pas du tout. Ah non, c'est en bas. Non. Ils auraient pu faire en sorte que ce soit... que ça corresponde avec la map, quoi. Les points. Les points de TP. Putain, mais c'est vrai qu'il y a des ennemis qui nous emmerdent. Hop. C'est à gauche, hein. Cet exo. Hop, et là normalement c'est en haut. Parfait. Et là voilà, juste à faire ça, hop, on va à gauche. C'est là, hein. C'est là. Remplir. Voilà. Hop, voilà. Donc on a encore plus de... Bizarre ce truc, on dirait qu'il y a... On dirait qu'on me fait un truc là. Non. Ok. On y go. C'est parti. On sauvegarde. Aïe. Eh oh. Ils étaient pas là eux tout à l'heure. Contrôlez. Ah j'ai one shot hein. Ok allez hop. Découverte. Ah! Zone avec le poison, à mon avis c'est ici qu'on a le... Le truc anti-poison. C'est quoi ça? Ouh, il m'a fait peur lui là. Mais va te faire? Oh putain. Mais... C'est quoi ça? Espèce de mini combat de mob. D'accord, lui veut pas me... D'accord, donc on peut aller en haut ou en bas. On va plutôt aller en haut. Merde, il y a de la brume toxique. Ah, voilà. Mais vous voyez, c'est une statue comme ça, en fait, que j'ai éclaté. Sauf qu'en fait, bah là...
J'ai plus de que j'ai pas de culpabilité donc bon. Oula. Non, ça va. Y'a pas un truc à droite là? Ah. Oh putain. J'ai pas vu que ça se... Encore combat de boss ici? Attends, on peut pas aller en bas hein. Non, on peut pas aller en bas, on va crever. Oh, c'est quoi ça? Nouvel ennemi. Aïe. Elle m'a eu. Je vais pas aller en bas là. Ah, bizarre ces zones là. Bien. D'accord, on va aller en bas, on va aller en haut. Putain, il m'a fait tomber. Mais... Ils sont plus résistants ceux-là. Hein. Mais il me tombe dessus! Il me faut plus mal que la normale là, qu'est-ce qui se passe là, et où? Ah là on peut tomber. Faut pas tomber. Mais non! Ils vont pas nous faire un combat de boss. Je vais mourir. Je vais mourir. Mourir. C'est chaud là, hein. J'ai plus rien. Qu'est-ce que ça? Il y a une mouche. Ok, bon j'irai après. Hein. Là j'ai plus de vie, donc je vais pas faire le mal. J'ai pris des dégâts. Alors, poumon argenté. Ah! Un organe préservé dans un argent étincelant et riche en filigrane. Le cardinal Dolphos fit fondre ses cuillères dans un pot pour échapper aux jalousies avec cette décoction argentine. Il protège son porteur des miasmes empoisonnés. Eh bien,
Parfait, mon cher Eric. Nous avons trouvé ce que nous voulions trouver. Pourquoi je l'ai pas eu, lui? Ben voilà, parfait. Maintenant, je peux aller là-dedans. Et je ne meurs pas. Excellent. Excellent, excellent. Mon cher Patrick. Et là, je prends ça, qui est... Frontal de Martinus, le cordelier. Lui qui faisait des cordes. L'artisan Martinus Afnia, fut à tort accusé de vendre des ficelles trop fragiles et condamné à être pendu. Vous le sentez venir aussi. Et condamné à être pendu avec l'une de ses créations. En ce même triste jour, il retrouva son honneur. Ah non, donc... Ah d'accord. Ah non, d'accord. Ah, en fait, il a été accusé de faire des ficelles trop fragiles. Et en fait, on l'a pendu avec sa corde, avec les cordes qu'il fabriquait. Mais au final, la corde a tenu. Et donc, en fait, il est mort et ils se sont rendus compte qu'en fait, merde, ben, en fait, il faisait des bonnes ficelles. Donc, il retrouve son honneur. Mais au final, il est mort quand même. J'adore, magnifique. Je peux aller en bas, là. Eh oh ! Je peux aller en bas, là. Mais il y avait du poison. Et s'il y a du poison... Du poison, j'ai cru que ça signifiait... Zone ? Je me suis fait eu. C'est pas grave, on n'est pas loin. J'ai plus de ferveur. Comme tout à l'heure. Mais... Mais ils font mal, eux. J'ai beau avoir augmenté ma défense, ils m'explosent ma petite gueule. Attends, mais je vais prendre l'autre truc. Je vais prendre ça. Là. Non, mais c'est pas ça. En fait, non. En fait, j'ai pas d'objet qui me permet de... Qui me permet d'avoir de la vie en tuant des ennemis. Ah non, 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 vous partez, vous. Hein. Je vous ai déjà eu une fois, terminé. Donc en haut, il y avait le truc, là. Voilà, donc maintenant, on peut aller là, c'est pas grave. On ne craint plus... On ne craint plus rien du tout, mesdames et messieurs. Par contre, c'est un scandale. Nous allons mourir. Nous avons plus de ferveur. Ok. Alors, à gauche. Pas de passage secret. En bas. Non. Là. Non. Là. Non. À droite. Non. Non mais je vais me gratter le... Ah, un nouveau nœud. Excellent. On ira le donner à l'autre... À l'autre dame. Qui est enfermé dans sa cage. On va pas y aller maintenant, c'est bon, on ira un autre jour. Ah là, il y a plus de combat de boss là. Ah si. Non mais j'ai plus envie de combattre en fait. Au revoir.
comme je les ai eus. Ok, on va aller récupérer notre âme et se barrer et revenir simplement. Voilà. Et en haut, y a rien. Hein. Voilà. Donc, on n'a pas été en bas. Allons-y gaiement. Je l'ai pas vu, elle. Je regardais ma barre de ferveur comme un idiot. Pas de mur caché, non? Ah non, pas vous. Bien. On va aller là-bas. Voir ce qu'il y a. Mais il me laisse pas le temps. Ça sert à quoi ces zones là? Pourquoi il y a des zones comme ça régulièrement où il y a des spawns de mobs mais on n'est pas obligé de les tuer. Ok, bon je crois qu'on va retourner à gauche, on va voir ce qu'il y avait en bas. Ah oui, non, mais c'est encore pire! Ah! Parfait. Enfin, parfait, parfait. Bah non, ça va. J'ai ma santé. Voilà, il me reste 4 flacons. Ouais. Je peux aller en bas, là. Ah, bon, à la vie, je peux pas aller en bas, hein. Et là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Ah! Augmentation de la ferveur. Vous joindre de l'huile des pèlerins. Regardez la ferveur. Hop. Excellent, mon cher Gontran. Donc nous sommes à 28 morts depuis le début du jeu. Ça va, je trouve ça assez correct. Assez correct comparé à un Dark Souls ou... Même il y a des jeux plus durs que ça, mais il est pas si dur ce jeu hein, au final. Hein. Je trouve pas si dur que ça. Voilà, il suffit d'être patient, de bien analyser ce que les ennemis vont faire. Par exemple, je sais que quand je vais avancer, bah, il va sauter. Du coup, bah, je peux faire ça. Voilà. Là, je fais ça. Hop. Voilà. En fait, il faut bien analyser les patterns des ennemis. Voyez-vous. Et donc, en bas. On va aller en bas d'abord. En bas ou en haut? Ah, plus en haut. J'ai l'impression qu'en bas, c'est le... Plus tu t'enfonces en bas, et plus c'est la... C'est la fin du niveau. Donc on va aller... Voilà, en bas. Attends, ici je fais ça. Ah oui, il a pris cher. Ah, même l'autre à gauche, à droite, il a pris cher. À gauche, il y a un truc là, obligé. Voilà, j'en étais sûr. J'en étais sûr. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai encore une salle de avec une rose. Bizarre, c'est ça là. Il y a celle-là, il y avait celle d'en haut aussi. Hein. Mystère et boule de gomme.
ce qu'il y avait, ce qu'il y a à droite là. D'accord. Oula. Oula, non, oula, va-t'en, 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 va-t'en. Elle vient plus ? Ok. Je peux la toucher qu'une fois, elle. Elle fait peur ! Alors, des pièces de métal fondu, nous avons eu de l'argent, c'est magnifique. Trois pièces d'or fondues en une masse informe dont l'éclat ne se ternit jamais. Ouh, on avait lu tout ça de toute façon. Numéro 3. Mais attends, mais c'est numéro 2. C'était où le numéro 1 déjà? C'est ça là. Alors en fait, ça raconte une histoire, tous ces trucs là. J'étais là. Un petit coup d'eau. Je puis assister à cette création. À cette création. Trois petits points, création. Les cheveux des sœurs poussèrent et se nattèrent. S'enroulèrent tout autour pour produire un effroyable craquement jusqu'à les recouvrir entièrement. On aurait cru voir en un œuf fait de cheveux. Hirsute. Quoi? Non mais ce qui est extraordinaire avec ce jeu, Blasphemous, vous apprenez des mots. Hirsute. Énoué. Hirsute. Alors, hirsute. Hirsute. Définition. Qui a le poil, le cheveu très fourni et en désordre. Un mot, un jour. Un jour, un mot. Voilà, plutôt. Un jour, un mot. Ça va être le nom de la VOD. Un jour, un mot. On a cru voir un œuf fait de cheveux hirsute, hirsute et noué. Là, par contre, nous avons un espèce de... Saloperie d'ange inatteignable. Alors attends. Merde. Ah mais si. Regardez. Voilà. Et quel génie. Tu t'en vas. Merci. Voilà. Allez, descendons. Non, pas toi. Ah, je les aime pas ceux-là. Ils ont une hitbox. En fait, on peut toucher que leur corps et pas leur cloche. Donc c'est chiant. Alors en bas, à mon avis, c'est la suite. C'est la suite. Vers la droite. Oula. Ah, très bien. Sanctuaire, parfait. Ah. Ah, là, j'ai croisé celle-là. Pay no heed to the wrinkles of my skin, the hair that grows silvery, or my trembling legs. Our pact has yet to be concluded, as has your arduous penitent one. Will you require my assistance with your next task? Attends, mais c'est moi ou elle vieillit de plus en plus? Elle était pas vieille au début comme ça? Elle était pas vieille au début, la première fois qu'on l'a rencontrée, la première fois qu'elle
qu'elle nous a aidés. À mon avis, à chaque fois que qu'on lui demande de l'aide, elle vieillit. Et à mon avis, genre il y a un nombre limité peut-être d'aide qu'elle peut nous fournir. Et au bout d'un moment, ben elle va mourir. Et au dernier boss, et ben on l'aura dans le fion. Peut-être, je sais pas. Donc apparemment, il y a un boss. Et ben on n'y va pas. Voilà, merci, au revoir. On va aller voir ce qu'il y a à gauche avant. Une truc d'ange. Une truc d'ange. Ah mais ça marche pas comme ça mon cher Gontran. À partir d'ici forcément. Non, il va falloir se servir de ces ronces là. Là c'est à mon avis c'est les ronces. C'est, on a pas le pouvoir des ronces. On n'a pas le pouvoir de... des ronces. Oula! Qu'est-ce que c'est que ces espèces de violettes parsemées sur le sol, mon cher Robert? Attendez, vous voyez pas à cause de ma cam. Je crois que j'ai déplacé ma cam. Bon, alors ça nous emmerde. Vous voyez pas à cause de ma cam. Je crois que j'ai déplacé ma cam. Bon, c'est pas grave. De toute façon, il y a d'autres plans où ce sera à droite. Mais là, en fait, à gauche, voilà. Il y a une touffe de cheveux. Voulez-vous donner les pièces de métal ? Mais oui, mais c'est ça, c'est l'œuf. C'est ce qu'elle disait. Elle disait qu'il y avait un œuf machin truc. Avec les cheveux machin éparses de machin de truc. Je rejette la richesse de mon promis. Ah, c'est les trois trucs. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Je regrette ce lien avec mon promis. Oh, mais là, on va avoir un truc de fou là. Là, on a trouvé les trois objets, on arrive ici avec les trois objets pile poil ce qu'il faut. Là, on va avoir un Kamehameha là. Dead love. Penitent one in silence. Who summons my three voices? Oui, à trois têtes. Qu'est-ce que c'est? Pénitent en silence qui invoque mes trois voix. Trois sœurs ne font qu'une et enfantent ainsi un funeste miracle appelé Altas Gracia. Bon, je pars. De toute façon, il y a la VO. This egg conceals something of ours that still remains immaculate. Alors ça, ce sera la vignette de ma... La vignette. Œuf de difformité. Un œuf hirsute. Né d'une abomination, sa coquille de cheveux cache aux curieux des mystères insondables. C'est la cruauté d'une personne brisée qui façonna Altagracias et l'affliction qui donna chair à son chagrin.
Nous enfermerons notre voix dans cet œuf, nos langues qui tournent et poussent continuellement pour nous échapper. Les nœuds d'une liberté que nous n'eûmes jamais. Nos cheveux cacheront cet œuf dans le froid jusqu'à ce que la chaleur des braises le fasse éclore. Bon, on l'a fait éclore. Vignette. J'ai ma vignette. Merci. Take it with you, and thus take its purity away from us. For it is already too late for these deformed bodies. Alors, c'est une femme avec trois têtes, de la barbe et à poil. En fait, elle est sortie d'un œuf. À gauche, là, on voit une espèce de d'œuf de cheveux ouverts. Ok. Très bien. Combat de boss. Hein. Il nous reste 15 minutes de VOD. Je pense que c'est ok tiers. En 15 minutes, on va pouvoir se faire le boss, là. On va lui éclater sa petite gueule. Donc, ne pas oublier que nous avons... Ça. Voilà. Vitesse d'attaque. Donc je vais prendre ça plutôt, je pense. Ah, peut-être le first try. First try peut-être. Là, il y a des pics et en haut je vois des pics. Ah! Mais c'est pas ce que je voulais faire. Mais oh, monte. Non. Bourrinage, on a vu le truc qui revenait, hop. Donc c'est pas vraiment du bourrinage en fait. On analyse la situation, mon cher Gontran. Hop, vitesse d'attaque augmentée, on se fait bolosser. On se heal, et en se healant, on se fait exploser la gueule aussi en même temps. J'ai cru que je pouvais aller sur la plateforme de la vieille. Elle m'a bait. Je vais me faire exploser la gueule. Elle va mourir. Force try les amis, force try. Putain, j'ai peur, j'ai cru que Requiem Aeternam. Ah non mais la vieille, je veux pas que tu meurs moi, t'as l'air... T'es tellement gentil et tout, tu m'as depuis le début. To partake in this victory. Before I depart, I want these words to accompany you so that you remember our pact. Zarambada du Havre. One in silence. Now resume your journey.
Mais ça y est. Non. Mais non. Mais elle m'a aidé, elle était trop gentille, elle m'a aidé et tout. Un chant qui bénissait les murs des pierres sacrées manifeste un bouclier intangible extraordinaire qui blesse les ennemis et détruit certains projectiles. On va le mettre? Ah putain, ça consomme beaucoup. Attends, lui, ça consomme combien? Ah ouais, on fait... Ouais, on tape plus vite, hein. Ouais, on tape plus vite. C'est extraordinaire, ça. Un bouclier. Je vais le mettre. Trop stylé. Ça, on s'en fout. Par contre, attends, je vais faire ça. On va tester le bouclier. Oh! C'est trop stylé en vrai! Trop la classe. Et là, on va avoir le troisième. Le troisième visage. C'est parti. Je fais bouger mon bras de micro en bougeant mes pieds. J'ai l'habitude de bouger mes pieds. Je vais bouger mon bras. In the name of the great ordeal and the sons of the miracle, may the gold in my visage melt and erase the contrition of your soul. Heart of guilt, return now from the dream. Eh bien parfait. Nous avons... Ah, petite cutscene. Et voilà la porte qui avait besoin des trois visages pour s'ouvrir. Porte de la chapelle. Porte de Clignancourt. Et porte de mon bureau. Et quoi à droite? Un TP. De la contrition. Penitent one in silence. After bowing before the holy custodian visages, the door at the end of the bridge of Calvary has been opened. Traverse now its thresholds under the strict eye of his holiness. We penitents carry such guilt that perhaps the affliction is giving us a second breath. But be wary. Amongst prayers, it might silently come creeping to us one day. Ok. Oh, ça va être le... Oh! Je vais avoir un ascenseur qui va monter tout en haut, là. Mais oui, regardez, il y a un trou, là. Je le savais depuis le début. Je voyais un trou sur la map, je me disais, obligé, c'est pas normal. Ah non, mais là, je peux monter, là. Mettre un marqueur. Je peux sauter, je peux rien faire. Hein? Il y a des trucs là?
Il y a des trucs là. Attends. Je sais pas. Si je tombe là. Je tombe. À votre avis, normalement non. Oh non, barrez-vous les fleurs, les feuilles. Laissez ce cadavre tranquille. L'arme d'expiation. J'étais là, mais je voulais pas qu'elle meure. Elle m'avait aidé et tout. Bon, je vais récupérer mon âme. Ah oui, là c'était la zone où il y avait le petit père. Attends, je vais voir ce qu'il y a à droite là. Oh ! Augmentation ! Take the next of my deep pains. De mon arme ? Ah non. Ah non, c'est la santé. Ah oui, je suis complètement con. Prenez la suivante. Elle est où la suivante ? On m'a dit attendez la suivante. Faites entrer la suivante. Et moi le problème c'est que j'ai vu passer personne. Donc ici il y a un truc à faire hein. Bon, on va récupérer notre âme là, parce que c'est scandaleux. D'être mort d'une façon. Il y a plein de trucs à faire là-bas. Hein. On a vu un ange, on a vu un truc. Ah, bon. C'est un échec cuisant. Oh! Cassez-vous! Et si je fais ça? Hein? C'est... Mais saute! Et moi faire les malins là! Regarde là, quand je défonce. Attends, si je fais ça? Hop. Ah bah voilà, regardez, ça s'est vidé. L'endroit dégueulasse. Ben voilà. Alors maintenant, on va retourner à Alberto. Et on va voir si on peut pas aller bénir un de nos objets. Et on va mettre notre petite collection d'objets là-dedans. Hop, 8000. Je crois qu'on peut même se prendre une amélioration d'armes là. À gauche là. Direct. Voilà. On peut même se prendre ça. Bien plus rapidement. Voilà, excellent. Voilà. Maintenant, regardez.
bien plus rapidement. Ah, vite fait, hein. Vite fait, bien fait, hein, mon coco. Je suis pas assez servi de mon sacrifice pour augmenter ma ferveur contre le combat de boss, je trouve. J'ai manqué un petit peu de concentration. Bon, écoutez, les amis, on va aller enregistrer et on va terminer cette VOD qui fait... Alors, non, avant, on va aller là. Voir si on peut bénir je sais plus quoi, parce qu'on a eu des trucs, je pense. Non. En fait, lui, il nous a servi une seule fois et après, bah, au revoir. Hein. Ils auraient pu... Je sais pas, ils auraient pu... Ok. Allons, save. Hop. Et c'est parfait, mesdames et messieurs. Merci, YouTube, d'avoir suivi cette vidéo qui est extraordinaire. Comme vous avez pu le voir, on a appris des mots. On a appris ce que c'était Hirsute. Et retrouvez-moi sur Twitch, mon Twitch juste au-dessus de ma tête avec mon bonnet. Je vous ferai des gros bisous et vous aurez plein de cadeaux. Et fortune s'abattra sur vous. Merci et abonnez-vous.